Notre série de l'été nous emmène en Haute-Marne ce soir à la rencontre d'un couple d'éleveurs de vaches laitières. Vous allez découvrir Fabienne et Joël. Ils se sont lancés dans la confection de glaces artisanales fabriquées dans la ferme. Charlotte Meunier et Aurore Trépeux. Ces vaches produisent du lait pour faire des yaourts et des fromages, bien sûr, mais aussi un produit bien plus estival, de la glace. Elle est fabriquée ici à la ferme de A à Z. Et du pis au pot, vous allez le voir, il n'y a qu'un pas. Tout commence dans cette salle de traite. Depuis 25 ans, matin et soir, Joël Clément passe en revue ses troupes, 80 vaches laitières qu'il traite une par une. En moyenne, on récupère 25 litres par jour par vache. 25 litres par vache, soit près de 2000 litres de lait chaque jour. Du lait utilisé en grande partie pour fabriquer du brie de Meaux. Mais depuis 2 ans, il sert aussi à la confection de glace artisanale. Le lait doit donc être riche et onctueux. Joël Clément a son petit secret. Il faut alimenter les vaches essentiellement avec de l'herbe. Au maximum avec des produits de l'exploitation. Voilà. Ici, elles consomment également des pommes de terre. Voilà, une dizaine de kilos par jour. De par l'alimentation, on arrive à avoir des taux de matière grasse et de matière protéique assez importants. Et on recherche la matière grasse pour faire de la glace. On utilise le lait de la ferme et une autre partie du lait pour faire de la crème qui sert également à faire la glace. Et c'est à quelques mètres de l'étable que la magie opère. Le lait. Fabienne, l'épouse de Joël, suit la recette à la lettre. De la crème, des jaunes d'œufs, du sucre, un peu de miel. Puis le mélange est brassé dans cette machine, réfrigérée à moins 12 degrés. Il faut moins de 25 minutes pour produire 10 litres de crème glacée. Donc là, c'est maintenant. Forcément, il faut faire un contrôle qualité, donc on goûte la glace de temps en temps, évidemment, si, si, bien sûr. Ça fait partie du job aussi. Cette glace verveine miel est directement mise en pot. Joël et Fabienne proposent en tout une cinquantaine de parfums différents. Du plus classique, vanille, chocolat, fraise, à des choses, glace au miel, glace au romarin, par exemple, pour un restaurateur du coin. Voilà, c'est très varié. Des parfums variés et originaux qui séduisent même les cuisines des restaurants. À quelques kilomètres de la ferme, le chef Tanguy Aubry passe régulièrement commande. On a l'impression de boire un thé. Mmh. Non, super. La dernière fois, c'était concombre menthe. Alors, c'est la ferme du Tremblay qui a plein de recettes. Donc, on a vu ça et on l'a pris. Donc, on sert ça avec un gazpacho de tomates et puis une tartine de poivron confit. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre il n'y a pas longtemps? La glace romarin aussi, avec une petite tartelette pistache abricot. Donc bon, on peut faire des associations assez sympathiques. Comme à la ferme du Tremblay, de plus en plus d'agriculteurs transforment directement leurs propres produits. Une bonne nouvelle pour tous les gourmands.